Et dis donc, biographe, t'as l'air hyper coolos. J'ai pensé à un titre pour ma biographie, Jeu, set et spliff. Pas mal, non? Peut-être un peu clivant, on va réfléchir. Yannick, vous pouvez... Attends, je t'arrête tout de suite, là. Tu me tutoies, hein? Moi, je veux qu'on bosse à la cool. Ok. Alors, ton enfance, c'était comment? Ah, c'était l'enfer, je suis né à Sedan. J'ai été malade pendant mes 15 premières années. Ah oui, intéressant, mais une maladie grave? Bah, un peu, ouais, je chopais crève sur crève. Quand tu marches pieds nus dans les Ardennes, ça pardonne pas. Hein. Tu veux que je te prête mes charentaises? Non, c'est gentil. Tu sais, moi, j'ai pas mis de pompe depuis Roland-Garros 83. Yannick, vous êtes... Enfin, tu restes quand même le dernier Français à avoir remporté Roland-Garros. Porte Nawak et Marie Pierce, alors. Eh mec, faut penser un peu aux meufs. Ah, désolé, juste avant toi, j'ai écrit la biographie de Harvey Weinstein. Ça s'appelle « Viens dans ma chambre, j'ai un scénar à te faire lire ». Ah, il me dégoûte ce mec, avec son gros bide là. On dirait Henri Lecomte la veille de sa finale contre Vilander en 88. Justement, t'avais fait quoi pour motiver Lecomte en finale de la Coupe Davis en 91? Ah ben, c'était fastoche. À chaque passing shot, il avait droit à un tequila shot. Et niveau vie privée, alors j'aimerais que tu te livres vraiment, là. Ah, là, je suis désolé, mec. Mais faudrait écrire 3 tomes tellement j'ai pécho dans ma vie. Hein. J'ai souvent fait le grand chelem, hein. Ok, Yannick, merci. Je crois que j'ai le titre de ta bio. Yannick Noah, Rasta Raquette.